Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin du 20 novembre 2023. Le 20 novembre est une journée très importante pour l'enfance du monde entier puisque ce jour-là a été ratifié par pas mal de pays une convention internationale posant les règles, justement, les règles et aussi précisant les droits spécifiques des enfants. Ce matin, nous aurons l'occasion d'en parler avec Aïda Meshri qui viendra justement nous parler essentiellement du programme, justement du ministère de la Santé. Pardon, je bafouille, mais c'est pas grave, c'est le démarrage de l'émission. Un manque de caféine, certainement. Donc voilà, Aïda Meshri reviendra sur cette journée très importante pour les enfants, je le disais. Et puis, nous parlerons de santé plutôt avec d'autres personnes, d'autres invités qui, eux, représentent une société savante, la société algérienne de pneumophtysio, à l'occasion d'une journée dès demain. Donc, le détail avec nos invités, professeur Samia Tarirt et Dalila Mekidash. Donc, ce matin, nous aurons le plaisir aussi de retrouver Hasna Zoubeiri pour nous parler justement de sécurité routière essentiellement. Et puis, Yezid Aït Mahieddine aura pour thématique Mohamed Dib, le retour sur Bruxelles. Donc, merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Et tout de suite, donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à Mina Abed pour le point concernant les nouvelles du ciel. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour Adia, bonjour à tous. Ça va ce matin? Très bien. Une matinée qui s'annonce très ensoleillée en tout cas. Oui, pour aujourd'hui. Pour ce qui est d'Alger, mais qu'en est-il du reste du pays? On va le découvrir. Avec plaisir, allez-y. Merci beaucoup. Alors, un petit peu de brume, des nuages bas. Ce matin, notamment vers les côtes ouest et centre, puis le ciel restera dégagé en journée sur l'ensemble des régions nord. Mais à partir de ce soir, on notera un ennuagement progressif, notamment sur le centre. Et là, ce qui va annoncer le retour des pluies à partir donc de demain. Sur les régions sahariennes, beaucoup de soleil, sur le Nord Sahara, la Saoura, les oasis, et puis un ciel plutôt voilé vers l'extrême sud, l'Ogar et le Tassili et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord des températures qui vont varier entre 26 et 22 degrés. On notera un minimum de 19 degrés à Al-Bayat et Naama, 22 degrés à Betna, on notera 23 degrés à Ghardaya et Béchar, 28 degrés à Tindouf, 30 degrés à Darar, 31 degrés à In Salah et enfin 24 degrés à Tanarasset ainsi qu'à Janet. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme sur la partie ouest, calme à peu agitée sur le centre et l'est du pays, avec des vents entre 20 et 40 km/h sur la partie ouest, entre 30 et 40 km/h sur le centre, et enfin entre 30 jusqu'à 50 km/h sur la partie ouest. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure, midi. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour cet éclairage sur le temps et je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonne journée. Voilà, bonne journée à tous ceux qui sont avec nous ce matin. Donc une pensée pieuse toujours pour nos amis à Gaza. Donc toute gloire à tous les martyrs de cette prison à ciel ouvert, bien sûr qui touche tout le monde, y compris les artistes algériens qui ne sont pas insensibles justement à ce qui se déroule sur place en Palestine. Donc à l'instar de ce collectif de chanteurs lyriques à leur tête Mohamed Yassine Yahyaoui qui interprète un chant populaire palestinien pour vous ce matin. <t'->
والشتا رواني والصيف لما تا ولع مني راني بيضل عمر فدا نذر للحرية بيضل عمر فدا نذر للحرية يا مام وين الهوى يا مام والشتا رواني والسيف لما أتى ولع مني راني بيضل عمر الفتى نذر للحرية بيضل عمر فدا نذر للحرية Voilà, nos premiers invités, mesdames, messieurs, sont déjà installés. Il s'agit du professeur Samia Tarirt, bienvenue. Et puis également le professeur Delila Mekidash, bienvenue parmi nous ce matin. Merci. Voilà, vous représentez toutes les deux donc, cette société savante qui œuvre depuis très très longtemps justement à la diffusion de toute l'information liée à la pneumophtysio, parce que vous êtes justement dans ce domaine particulier de la médecine, la pneumophtysio. Voilà, on est ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Vous en qualité de présidente de cette société algérienne de pneumophtysiologie, et puis Madame Delila Mekidash ici présente et vice-présidente de cette même société savante. Donc merci et bienvenue d'être là. Si vous êtes là, c'est parce que voilà, il y a une journée très importante pour la spécialité cette semaine. Donc Oui, en fait, notre société qui est, comme je vous l'ai dit, la doyenne des sociétés de médecine en Algérie et qui a été créée donc par nos maîtres. Mm-hmm. Permettez-moi de faire quand même un rappel par rapport à nos maîtres qui ont œuvré pour la mise en place de cette société. Donc, je citerai le professeur Mahiddin Khalef, le professeur Cholet, le professeur Larbaoui, le professeur Nourosdir, le professeur Zirout, le professeur Djellil, etc. Madame Aït Khaled, professeur Aït Khaled, qui ont tous œuvré pour la promotion de la santé respiratoire et qui a tout d'abord travaillé dans le cadre de la tuberculose, puis après, ils se sont retournés pour travailler sur le développement de la pneumologie. Donc, d'où notre intérêt de la pneumologie et de la phtisiologie faisant référence à la tuberculose. Donc, il faut savoir que demain, c'est une journée, oui, importante pour nous parce que nous participons pour la sensibilisation à la prise en charge d'une maladie très particulière qui est la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie des bronches, qui est une maladie qui, on dit que c'est une maladie qui commence, c'est une maladie inflammatoire et qui commence au niveau des bronches mais qui est en fait générale parce qu'elle entraîne de nombreuses autres complications, notamment cardiaques, notamment sur le plan métabolique, le diabète, etc. Et c'est pourquoi... Est-ce que cette pathologie, c'est ce qu'on appelle communément la bronchite ?
Ou est-ce que c'est plus grave que la bronchite? Ah non, le concept a évolué parce que la bronchite, ce qu'on savait, parce qu'il y a la bronchite aiguë qui est un épisode aigu, il y a la bronchite chronique à laquelle on faisait référence qui était tous ces 3 mois par an, etc., pendant 2 années consécutives. Mais en fait, on s'est rendu compte que cette bronchite chronique n'était pas aussi simple que cela, puisqu'elle évolue vers une obstruction, c'est-à-dire que les bronches, au lieu d'avoir un calibre normal, ont un calibre qui est diminué, qui fait que le patient est très gêné pour respirer. Il n'arrive pas à respirer, il a des difficultés respiratoires. Et la caractéristique de cette maladie, malheureusement, c'est que nos patients viennent souvent à un stade avancé de la maladie. Parce qu'ils sont gênés pour respirer, mais nous, on sait on connaît ce concept, c'est qu'ils s'adaptent à leurs difficultés respiratoires. Ils réduisent leurs efforts sans s'en rendre compte et souvent la porte d'entrée dans le circuit de prise en charge, ce sont les urgences malheureusement. D'accord. Professeur Mekidesh, donc est-ce que justement, donc, est-ce qu'on dénombre beaucoup de cas en Algérie? Est-ce que cette maladie est-elle fréquente en Algérie? Cette maladie, de par le monde, c'est une maladie qui est méconnue par les médecins et ignorée par le public. Alors, nous n'avons pas des chiffres récents, nous avons quelques chiffres qui ont été faits par des enquêtes pour des thèses. Et donc, on peut évaluer à peu près, d'après une thèse qui a été soutenue, à peu près 4,7% de la population. De la population. Et également, il y a une autre étude qui a été faite à l'échelle, c'est l'étude Brett, où il y avait le Moyen-Orient, et l'Algérie se situe exactement comme les autres pays maghrébins, Liban, Jordanie, etc. Et ça, les chiffres sont à peu près de 4,5. À peu près la même moyenne. La même moyenne. D'accord. C'est une maladie comme... Parce qu'on est toujours là dans le bassin méditerranéen, donc le bassin méditerranéen a des spécificités, hein, professeur? Oui, probablement, parce que c'est une maladie en fait qui sévit à l'échelle mondiale. Il est vrai que faire le point sur la fréquence de cette maladie est un peu délicat, parce que vous savez que pour avoir un chiffre à l'échelle d'une population générale, il faut normalement toucher tout un pays. Mais dans pour l'asthme par exemple, les travaux qui ont été faits ont pu être faits à l'échelle de grandes populations. Pour la BPCO, c'est un peu plus délicat, parce que pour confirmer que c'est une BPCO, il faut mesurer le souffle, obligatoirement. Il faut faire une spirométrie, Deuxièmement, il faut cibler une certaine catégorie d'âge de la population. Parce que, comme a dit le professeur Mekidesh, les travaux en Algérie ont été réalisés et la SAPP s'est intéressée à cette pathologie dès les années 80, puisqu'il y a eu la publication d'un premier rapport qui était relatif à l'insuffisance respiratoire chronique et également à la bronchite chronique à l'époque, et puis à la BPCO. Il faut rappeler aussi que les premiers travaux ont été faits en Algérie, notamment dans l'Est algérien. C'est le professeur Messadi qui avait fait un premier travail. Ensuite, il y a eu d'autres travaux qui ont été faits dans l'Est, aussi bien à Annaba qu'à Constantine, la région Ouest et la région d'Alger. En fait, ce sont des travaux qui sont faits au niveau de région, mais qui permettent d'avoir une idée sur la prévalence de cette maladie. D'où la nécessité justement de regrouper tous ces, informations. C'est l'intérêt justement d'organiser cette journée qui a pour but, bien sûr, de promouvoir aussi bien la société savante que nous représentons, la Société algérienne de pneumophysiologie, de promouvoir la recherche et surtout d'informer. C'est diffuser l'information scientifique. Et dans la BPCO, c'est très très important, parce que le diagnostic doit être précoce. Et on sait maintenant que, avec l'évolution des connaissances, que la BPCO peut survenir à un âge précoce, c'est-à-dire dès le jeune âge, on peut déjà, on doit y penser.
Bien sûr, c'est des connaissances nouvelles, mais c'est sûr que ça va évoluer. Donc, il est très important de poser un diagnostic précoce pour éviter, comme a dit professeur Tariq, les complications graves de cette affection. Oui, donc voilà, c'est une première initiative depuis la création de cette société savante en 64. Donc c'est la première fois qu'on organise vraiment un événement d'une telle envergure, non? Non, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu d'autres liés à cette pathologie, oui, parce en particulier, qu'au cours, moi, au cours des différents, la société algérienne de pneumophysiologie a toujours organisé des congrès, a même organisé des congrès internationaux, comme en 89, d'accord, le congrès international de pneumologie. Oui. Elle a participé et elle a organisé également, dans le cadre de la Fédération maghrébine des maladies respiratoires, des congrès en Algérie et a participé en Tunisie et au Maroc. Et nous avons même eu la chance d'organiser en 2004, avec l'Union internationale de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires, le congrès de la région Afrique, de l'UICT-MR, ce qui était très important pour la société. Donc il faut savoir que la société a... L'objectif de la société, comme a dit professeur Mekidesh, c'est d'abord la promotion de la santé respiratoire, et la promotion de la santé respiratoire en participant au développement professionnel continu ou à la formation continue maintenant. Absolument, non, voilà. C'est le combat de votre, de votre société algérienne de pneumophtysiologie. Non, je parlais de la PPCO, BPCO en particulier, donc c'est une première rencontre, non, il me semble. Excusez-moi, mais ça n'a pas été, un événement consacré spécifiquement oui, à la BPCO. Oui. C'est le premier du genre, il me semble. Pour cette année, c'est la première journée. Donc c'est important, c'est bien de le dire, c'est pour cette première journée, mais il y a déjà eu des recommandations rédigées pour la prise en charge de la BPCO. J'imagine, mais comme ça évolue peut-être lentement... Donc c'est, mesdames, vous avez cette tribune pour essayer justement d'informer déjà les téléspectateurs de ce matin sur les détails relatifs à cette maladie. Comment est-ce qu'on peut l'identifier? Comment est-ce qu'on peut identifier les symptômes relatifs à la bronchite pneumo? La bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà. Justement, bronchopneumopathie chronique obstructive, cela signifie que cette affection se définit comme une obstruction des bronches et va bien sûr également s'associer à des lésions du parenchyme pulmonaire, d'accord, ce qu'on appelle l'emphysème. D'accord. Et cette maladie va débuter bien sûr par des symptômes à la limite bénins, surtout quand c'est un fumeur, la toux. Hein, elle peut commencer par une toux productive et cette toux va se compliquer progressivement par l'installation d'un essoufflement, d'abord à de simples activités et puis ça va s'aggraver au fur et à mesure, et on voit s'installer une gêne respiratoire au moindre mouvement qui empêche le malade de vivre normalement. Oui. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance respiratoire chronique. D'accord. Quels sont les facteurs qui font que ça arrive? Alors justement, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Les facteurs de risque. Et dans ces facteurs de risque, longtemps, c'est le tabagisme. Le tabagisme est à l'origine. Bien sûr. Et 2 cas sur 3, c'est bien sûr en rapport avec un tabagisme, ce qui est un fléau partout, et notamment en Algérie. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres facteurs. Il y a la pollution atmosphérique. Ça, c'est un problème quand même qui est très important à prendre en considération, puisque ça génère une BPCO. Mais il n'y a pas que ça, il y a également la pollution professionnelle. Est-ce que le climat contribue aussi? Est-ce qu'il affecte aussi? Oui, il contribue. Quand il y a prédisposition, j'imagine. Bien, c'est certain. Mais il y a d'autres facteurs également. Nous avons les facteurs de risque professionnels, mais également génétiques.
D'accord. On sait que certains facteurs sont incriminés. Sont héréditaires. Oui, mmh. héréditaires. Mmh. Et nous avons également les infections respiratoires chez l'enfant qui sont également un facteur de risque qui vont générer plus tard une bronchopathie chronique. Merci. Bien sûr, il y a des facteurs qui ne sont pas connus encore à nos jours. Mais ça va, ça nous donne quand même voilà, une réponse à cette question que je viens de poser, absolument. D'où voilà. la prévention. Oui, absolument. Donc tout à l'heure, on était sur cette question de l'âge et elle y revient encore, elle parle de l'enfance. Vous avez parlé d'un certain âge pour pouvoir détecter ou... voilà, oui. essayer de... Alors, ce que l'on dit en général, c'est que chez tout sujet de plus de 40 ans, fumeur mmh. et ou exposé à un facteur de risque, doit être suspect de BPCO et bénéficier d'une mesure du souffle. Avec les avancées des connaissances, nous savons actuellement que cette pathologie, comme a dit le professeur Mekidesh, peut toucher des personnes d'un âge plus jeune. D'accord. C'est-à-dire que... après, c'est le rôle du médecin de faire la différence entre l'asthme et la BPCO. Évidemment, il y a des moyens de faire la différence. Et c'est pourquoi le slogan de cette année, c'est « Agir plus tôt mm-hmm. ». Le slogan de la journée mondiale BPCO, c'est « Agir plus tôt ». Et « Agir plus tôt », ça veut dire « Repérer la BPCO plus tôt mm-hmm. ». C'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau des consultations de base chez les médecins généralistes et ensuite chez les médecins spécialistes, les pneumophtysiologues, qui vont confirmer cette pathologie mmh. par la réalisation de la spirométrie. Donc, c'est une maladie maintenant dont les concepts ont beaucoup évolué. Très bien. Avant, l'image qu'on avait du BPCO, c'est un patient qui est avec de l'oxygène, qui est essoufflé, etc. Et c'était cette catégorie de patients qui attirait notre attention. Maintenant, on sait que chez les patients qui présentent un facteur de risque, chez ces personnes-là, il faut penser à la BPCO. Bien que la BPCO chez le sujet âgé pose également un problème. Il peut parce y que avoir vous savez que la personne âgée représente quand même une entité assez particulière. Très bien. Donc, quand la maladie est là, quelles sont les recommandations? Donc, comment faut-il réagir? À qui s'adresser, justement? Un spécialiste ou est-ce qu'on commence comme le cheminement habituel et traditionnel, un généraliste et voilà, toute la chaîne? Ça, c'est le parcours de soins oui. du patient. Mm-hmm. Moi, je dirais d'abord, pour cette maladie, il y a un traitement. Il y a le traitement médical. Les médicaments qu'on donne, notamment les sprays, il y a l'oxygénothérapie, il y a également ce qu'on appelle la VNI, c'est-à-dire ventilation non invasive, qui, grâce à un appareil, permet la ventilation du poumon. Mmh. Et nous avons la réhabilitation respiratoire du patient. Donc, le traitement existe. Mais c'est un traitement qui est lourd. Alors, mieux vaut prévenir que guérir, j'imagine. C'est dans la mesure où, dans le nom même de cette pathologie, il y a le mot chronique, ça veut dire que ça s'installe à vie. Oui, ça s'installe à vie et vous avez vu, vous avez eu du mal à dire bronchopneumopathie chronique obstructive. Je suis contentée de citer la chronicité. Voilà. Mais ce que nous trouvons de bien ces dernières mm-hmm. années, c'est que les patients savent, ils vous disent un BPCO. Parce qu'il y a l'acronyme quand même qui mm-hmm. nous aide. Voilà. Il y a l'acronyme. Et pour revenir sur le parcours de soins, ce que nous recommandons à la population, c'est d'éviter le nobadisme médical. Mm-hmm. C'est-à-dire que il y a, on a écouté le premier responsable de la santé en Algérie, monsieur le ministre de la Santé, ces jours-ci, qui a parlé du médecin référent. Si ce médecin référent est mis en place, qui est représenté par le médecin généraliste, chaque personne saura qui est son médecin référent. Il ira vers son médecin référent. Ce médecin référent est à même de dépister cette pathologie et il le confiera à un pneumophtysiologue. En sachant que l'Algérie, il y a un maillage de centres de contrôle de la tuberculose et des maladies respiratoires dans le secteur public. Il y a beaucoup de consultations ici dans le secteur public. Il y a beaucoup également de collègues dans le secteur libéral
qui œuvrent justement, nous œuvrons tous ensemble pour la prise en charge de cette pathologie. Donc normalement, le circuit est simple. Je suis chez mon médecin généraliste, je suis suspectée, je remonte vers le spécialiste qui va confirmer. Et ensuite, le spécialiste, il est en relation avec le médecin référent. Je parle de l'idéal, mais ça fait rien, rêvons. Oui, rêvons. Donc, puisque le médecin référent, ça y est, c'est par la loi sanitaire. Oui, bien sûr. À ce moment-là, il retournera chez son médecin référent et il saura qui est son médecin référent aussi spécialiste dans le problème de la prise en charge respiratoire. Mmh. Ce qui est intéressant dans notre spécialité, comme a dit professeur Tarif, c'est que les bases sont déjà là. Oui. Et c'est grâce à la tuberculose. Donc les centres sont là, les personnes sont bien définies, déterminées. Le généraliste, le spécialiste, il y a un niveau primaire, secondaire, tertiaire qui nous permettra de justement d'avancer dans la prise en charge de cette maladie et donc définir un parcours de soins du patient BPCO. J'ouvre une petite parenthèse, mesdames, pour parler vous parliez de la tuberculose. Est-ce que on parle beaucoup moins de cette pathologie en Algérie? Tant mieux. Oui, tant mieux. Oui. Voilà, ça veut dire que les efforts ont apporté Bien sûr. Ah, oui. Les efforts ont apporté, et ça, il faut rendre hommage aux anciens et à nos maîtres. Et quand on pense. Quand je dis anciens, il y a les maîtres et il y a ceux aussi qui ont toujours travaillé dans les dispensaires antituberculeux, tous les microscopistes, tous les infirmiers, etc., avec les médecins qui ont pu en fait réduire, mais de façon drastique, les nombres de cas de tuberculose. Mais il faut être vigilant. Absolument, elle n'est pas complètement éradiquée. Elle n'est pas éradiquée parce que vous avez l'apparition de nouveaux groupes à risque, madame. Voilà. Vous avez les VIH, vous avez les immunodéprimés, etc. Et d'ailleurs, maintenant, la prise en charge de la tuberculose a évolué. Donc, c'est important. Il faut toujours être vigilant avec les maladies infectieuses. Très bien. Donc, le 21 mardi, donc, journée thématique sur la BPCO. Donc, ce sera où? Rappelons un petit peu le ça lieu. Ça sera au niveau de l'École nationale de la sécurité sociale à Ben Haknoun. Ça se passera toute la journée. C'est une journée qui va être multidisciplinaire, puisque nous aurons même le plaisir de recevoir nos collègues de la faculté de biologie de Beb Zouar. Oui, très bien. Parce que nous sommes dans une maladie où nous avons besoin de comprendre. Et nos collègues de Beb Zouar, c'est une équipe avec à leur tête le professeur Hamoudi Triki qui va participer avec nous. Je pense que c'est important de les associer avec nous parce que, en médecine, nous avons besoin des sciences de base et les sciences de base de biologie, aussi bien même d'informatique, etc., ont besoin des médecins. C'est fondamental. Absolument. Donc nous travaillons dans ce sens-là. Il y a également avec nous des collègues, des cardiologues, donc deux équipes de cardiologie du CHU Mustapha, celle du professeur Benkhedda et du professeur Ekme Saouden, qui vont parler justement des complications cardiaques, troubles du rythme, également la pathologie coronarienne. Il y a l'équipe également du professeur Ayoub qui va participer pour la problématique du diabète. Et nous aurons avec nous aussi, qui sont nos partenaires et qui travaillent avec nous, les patients. Nous aurons également des témoignages et des associations qui vont assister également, parce que maintenant le concept de pathologie a évolué, les patients sont des partenaires. Excellent. Les concepts ont nettement évolué. Le patient n'est plus celui qui subit. Le patient est le partenaire de l'équipe de santé. Il est au centre du problème. Oui, parce qu'il le vit au quotidien. Et il est à même aussi d'apporter un éclairage, j'imagine, un témoignage qui peut aussi alerter un tel ou tel spécialiste. Effectivement. Donc c'est un travail de concert, j'ai bien compris. Voilà, qui permettra justement d'avoir un éclairage complet sur la maladie, la pathologie que je vais essayer de nommer, donc bronchiopneumopathie chronique obstructive. Et il y aura avec nous donc l'association Asmaresp et d'autres patients qui seront avec nous. Très bien. Et si vous permettez juste un point, le professeur Mekidesh a parlé de l'oxygène, pour dire que l'oxygène est un médicament. C'est un médicament. Donc, c'est une prescription médicale
du pneumophtysiologue sur des critères bien définis. Et quand on parle d'oxygénothérapie dans la BPCO, c'est une oxygénothérapie de longue durée. D'accord. C'est-à-dire ce sont les cas les plus sévères pour lesquels on va prescrire de l'oxygène, ils vont l'utiliser toute la journée, au moins 16 à 18 heures par jour. Mm-hmm. Cette prescription est une prescription médicale. Ce qui nous manque en Algérie, c'est que cette oxygénothérapie soit prise en charge par la Caisse de Sécurité sociale. Il n'est pas pris d'accord. en voilà. charge par la Sécurité sociale. Et ça coûte très cher. Ça coûte cher aux malades. Oui. Oui. Imaginez un malade, il est sous oxygène. J'imagine, c'est une maladie chronique. C'est qui va le faire vivre. Oui. Et tous les jours. Mais oui. je ne sais pas. C'est bien. Donc voilà, j'espère que cet appel trouvera écho auprès des responsables de tutelle qui pourront justement se pencher sur cette question de la prise en charge du malade atteint de PPCO. On a été en tout cas ravis de vulgariser un petit peu toutes ces informations ce matin pour le profit de nos téléspectateurs qui nous suivent depuis tout à l'heure. On est ravis en tout cas de vous avoir reçu, mesdames. Professeur Samia Tahrirt, vous êtes la présidente de la Société algérienne de pneumophtysiologie, et le professeur Delilame Kidash, vice-président de la Société algérienne que je viens de nommer. Merci infiniment pour cet éclairage. Et bon vent pour la journée de demain. Merci beaucoup. On rappelle que c'est à l'École nationale de sécurité sociale si vous avez envie d'en savoir plus. Quant à nous, ce matin, donc, nous allons toujours parler de santé, mais cette fois-ci à travers un reportage réalisé par notre collègue Hamid Rebouh, qui s'est intéressé au nouveau calendrier de vaccination. C'est parti. Pour protéger au mieux la population, la politique de vaccination prévoit plusieurs vaccins et rappels à effectuer tout au long de la vie. Le calendrier de vaccination connaît des modifications dans le temps, en fonction de la situation épidémiologique, également des différentes technologies et d'innovation de nouveaux vaccins. Pour cette année 2023, le programme a été actualisé pour inclure un vaccin combiné. Il y a eu une actualisation par rapport au calendrier vaccinal, donc 2023. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un allègement par rapport au nombre de vaccins, donc au nombre d'injections injectées le même jour. Donc, pour donner plus de détails, par rapport aux vaccins de 2 mois, 4 mois et 12 mois, on vaccinait, donc le jour de la vaccination, le nourrisson se présente, on faisait 3 injections le même jour. C'était un petit peu douloureux pour le bébé. Donc, ce qui est bien, c'est que ça a été allégé. Au lieu de faire 3 injections le même jour, nous faisons 2 injections au lieu de 3. Ce vaccin combiné avec les autres vaccins déjà existants permettra de protéger les enfants contre plusieurs maladies. Il y a 2 injections qui ont été jumelées en une, en rajoutant la polio injectale. Donc sur la même injection, nous avons donc un hexavalent, le diphtérie, le tétanos, la coqueluche, hémophilus influenza, la polio injectable et l'hépatite. Le programme de vaccination a toujours été un objectif de la politique de santé au niveau national. بهذا الفاكسين هدية قالك بلي ما تعشت على شهرين وما تعشت على آخر باش يديروها إنفو على ضربة يعني كيفاش علاش باش داروا هاد السيستم هدايا جو سي با. L'introduction du nouveau calendrier de vaccination en Algérie va permettre un meilleur confort pour l'enfant.
Voilà, donc nous sommes à une période cruciale de l'année où il faut vraiment se vacciner contre différentes pathologies, notamment la grippe qui sévit en hiver, mais aussi aujourd'hui on a son compagnon, la Covid-19, bien sûr, pour tous, c'est déjà connu. En tout cas, on est ravis ce matin de recevoir Aïda Meshri, notre psychologue habituellement sur cette, sur ce plateau de Bonjour d'Algérie. Elle revient aujourd'hui en représentation de sa tutelle pour parler d'une journée très importante. On le disait en tout début d'émission, nous sommes le 20 novembre, une journée qui coïncide avec justement la ratification par de nombreux pays de cette Convention internationale des droits de l'enfant. On va en parler ce matin avec grand plaisir en compagnie de Aïda Meshri. Bonjour Aïda. Bonjour Radia. Ça va? Ravie de te retrouver encore, de revenir dans cette dynamique. C'est réciproque. De... Bonjour d'Algérie. Merci pour l'invitation. Voilà, on est tous comme ça très très excités à l'idée de vous voir parmi nous. Merci. En tout cas, ce matin, vous allez nous parler justement des droits de l'enfant. Vous représentez votre tutelle, le ministère de la Solidarité aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien non, moi je représente l'organe national de la protection de l'enfance. Oui, c'est encore mieux, je dirais. Nos collègues qui travaillent au ministère de la Solidarité, je les salue parce que aujourd'hui, vraiment, on revient pour une journée phare, la journée mondiale de l'enfant. C'est vrai qu'il y a plusieurs dates, on ne sait pas trop comment vraiment souligner le 1er juin, le 19 décembre, le 20 novembre. Ça coïncide avec les festivités, toutes les journées qui veuillent à... remettre sur la scène ses droits de l'enfant, il peut revenir pour parler de l'enfant lui-même, de ses droits. L'Algérie a ratifié la convention du 20 novembre le 19 décembre 1992. Ceci dit qu'on a deux journées phares pour nous dans lesquelles on s'installe. On parle haut et fort pour ce qui concerne les enfants, pour ce qui concerne leurs droits. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas que la démarche, elle n'est pas que de citer ses droits, mais comment les promouvoir, comment les faciliter, comment les mettre en marche, comment solliciter les professionnels, les familles, les enfants à comprendre que ça leur revient de droit. Et puis, c'est toute une pratique, c'est un accompagnement, une prise en charge. C'est pour ça qu'il y a des principes fondamentaux dans la Convention, dans lesquels on les apprend par cœur. Tout professionnel qui travaille avec l'enfance revient pour citer l'essentiel dans ces conventions. Et puis, voilà, on a la journée du 1er juin, c'est la journée internationale. Voilà, ça où on enrichit avec des festivités. On a la journée nationale de l'enfant algérien, qui est le 15 juillet, relative aussi à l'élaboration, à la promulgation de la texte de loi relative à la protection de l'enfant en Algérie. Et on a la journée de l'enfant africain, la journée de l'enfant arabe. Donc il y a quelque chose, une richesse dans ces rencontres pour qu'on puisse parler le même langage, dire la même chose. Les enfants, ils sont très précieux, il faut les protéger. Ça nous revient de droit de comprendre comment leur parler, les éduquer, les accompagner, les protéger dans ces contextes. Et puis voilà, on revient, nous, Algériens, pour qu'on puisse parler de nous, dans ce qu'on a réalisé, et comment vraiment on avance pour vraiment protéger nos enfants, l'enfant algérien. Comment l'Organe national pour la protection et la promotion de l'enfance va-t-il marquer cette journée en 2023? Alors, c'est vrai que, vous savez, on est un peu des leaders. Non, parmi les premiers pays qui ont ratifié la Convention, parmi les premiers qui ont instauré, ils ont même, dans l'institution de 2020, ça a été déjà inscrit, l'intérêt supérieur de l'enfant. Aujourd'hui, alors... apporter toutes les modalités pour qu'on puisse les protéger, c'est déjà un acquis. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut parler de 2015 avec la création du texte de la protection de l'enfance. Ceci dit qu'avant, on ne savait pas trop comment éduquer, accompagner les enfants et comment vraiment dire que ça, c'est une situation de danger ou pas. Et puis, est-ce que les parents, ils ont le droit de tout faire? Est-ce qu'un enfant, il a besoin de... Aujourd'hui, on a un texte de loi qui définit déjà d'emblée que l'enfant est de 0 à 18 ans. Ceci
dis que dans les différentes phases, on essaye de classer, on essaye d'accompagner les enfants suivant la sensibilité de leur âge. Mmh. Ça, c'est déjà primordial pour qu'on puisse vraiment apporter à l'enfant ce qu'il a besoin. Un bébé, c'est pas comme un petit nourrisson, c'est pas comme un petit enfant, c'est pas comme... Mais déjà, un enfant, c'est pas comme un adulte. Il a des besoins spécifiques. Il faut prendre en considération le droit, justement, à la nourriture, le droit, comment dire, à la parole, le droit à une éducation, un nom, une famille, les soins, et j'en passe. Ils sont mais il y en a quatre qui sont primordiales, basiques. On les appelle les quatre fondamentaux principes dans la Convention internationale, qui sont le droit à la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, la survie et au développement, et le droit à la participation. C'est quatre piliers majeurs dans la Convention qui vont nous donner la richesse de l'enfant qui est de différentes couleurs, différents langages, le cadre social. Il est enfant. Mmh. Et puis, son intérêt supérieur reste prime dans toutes les situations dans lesquelles on peut le prendre en charge. Le droit à la vie et survie, ça, je crois qu'on a beaucoup à dire, parce que c'est vrai, comment permettre à un enfant le protéger, c'est lui permettre de se développer dans le temps. Et puis vous savez, on a beaucoup parlé un peu de ce développement. Il ne s'agit pas juste de le nourrir, mais c'est tout un travail cognitif, c'est un travail corporel. Jusqu'à ce qu'il forge sa propre personnalité. Absolument, c'est un travail linguistique, c'est un travail cognitif, c'est un travail sur son identité, sur sa relation dans la société, dans sa relation avec l'autre. Et puis la participation et l'opinion, je crois que si on ne va pas écouter l'enfant, on ne saura jamais s'il est bien épanoui, parce qu'on cherche en fin de compte son bien-être. Et puis, le faire participer va nous donner un tout petit peu le retour de ce qu'il vit, comment il se projette dans ce monde, et puis ses besoins et sa participation. Et puis, vous savez, je crois que le slogan de ces années, de cette dernière année, c'est de donner la parole aux enfants. Mmh. C'est pour ça que l'un de nos projets, c'est les enfants ambassadeurs des droits de l'enfant, là où aujourd'hui, on a un groupe de 10 candidats du territoire national qui vont prendre la parole, qui aujourd'hui vont placer leurs mots, et puis ce sont ces enfants qui vont apprendre à défendre les droits de leurs frères et sœurs. De quelle manière, dans quelle tribune? D'abord, c'est la participation avec notre partenaire, l'UNICEF, dans tout ce qui est communication, les droits, le contenu, dans tout ce qui est approche. Donc, former ces enfants qui sont brillants du territoire national. On a pris de sud, de est ouest et aussi du centre de l'Algérie. Les enfants qui vont cerner cette parole, nourrir un tout petit peu leur savoir par rapport à ce contexte infantile et puis participer dans les événements. Aujourd'hui, ce sont eux qui vont fêter la journée d'aujourd'hui. Ils vont contribuer et puis lancer le projet d'aujourd'hui qui est l'installation et la gestion du plan national de l'enfance. L'Organisation des Nations Unies en 1989 avait justement posé cet ensemble de règles en vue de protéger l'enfant contre certains dépassements, certaines guerres, certaines situations de danger. Ce qui a attiré mon attention, c'est que 193 pays à l'époque avaient ratifié, les États-Unis étaient réticents. Ils n'ont toujours pas adhéré. C'est le seul pays qui n'a pas adhéré, qui n'a pas ratifié cette Convention internationale des droits de l'enfant. Il y avait le Soudan, le Somal, la Somalie, et puis voilà qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a un seul pays qui n'a pas ratifié, ceci dit qu'il ne l'a pas adopté à ses textes internes, et puis voilà, ça reste... Un point d'interrogation, parce que voilà, aujourd'hui on est face à une situation quand même très paradoxale par rapport à ce que se passe à Gaza, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Les droits de l'enfant, si on parle de la non-discrimination, quels sont les droits de ces enfants victimes? Quels sont les droits de ces familles, de ces enfants que nous, on n'arrive plus à supporter ces images? Alors comment ces familles, ces enfants sont en train de vivre cette guerre qui a mis à plat... Qui a confisqué l'enfance
Carrément, donc ces enfants, quand ils s'expriment, on sent qu'ils sont passés à un autre âge déjà, et on sent tout le poids de ces douleurs, de cette... Tout à fait, je crois que tous les professionnels de la santé mentale, quand ils peuvent juste... regarde ces vidéos, de ces images, il y a un grand langage qui parle, le traumatisme il est là, palpable, les symptômes sont là, palpables, cette ce relation sentiment d'insécurité, sentiment de peur. Cette sidération, ces douleurs, ces larmes, et puis cette parole très forte dans la revendication de leurs droits, et puis cette identité qui est très très forte pour revendiquer la terre mère, il y a quelque chose dans ce combat qui nous reste vraiment. Je crois que nous, on s'incline face à cette force, mais on s'aligne aussi par rapport à ce qui se passe et on revendique cessez-le-feu, effectivement, absolument, qui protégera, qui pourra garantir ce droit primordial inscrit dans cette Convention des droits de l'enfant, donc depuis déjà 1989, le droit d'être protégé pendant une guerre, le droit de manger, de boire, de jouir de connaissances. Donc on bombarde aujourd'hui des écoles. Oui. On tue des... C'est un drame au vrai sens du mot. C'est un massacre. On tue des enfants, oui, prématurés dans les hôpitaux. Oui. C'est quelque chose... Oui, je crois qu'aujourd'hui, si vous me permettez juste de prendre cette parole et puis de dénoncer, et puis de... Ça, c'est une manière aussi de s'inscrire dans ce volet et puis de dire haut et fort, il faut que ça s'arrête. Pas uniquement par rapport au texte de loi, pas par rapport à ce qui se passe, mais par rapport à nous, mère-père, et par rapport à notre histoire. Vous savez que nous, Algériens, on a vécu ça. On sait très bien à travers nos histoires, à travers notre identité, à travers les martyrs qui nous ont laissés dans l'écriture de notre histoire, tout le vécu que les enfants ils ont subi, que les familles ont inscrit dans leur histoire familiale. Je crois qu'on ne peut pas rester indifférent par rapport à ça. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ce n'est pas uniquement par rapport à ce que l'Algérie a ratifié par rapport à notre engagement politique, mais par rapport à nous, humains, père et mère. En tant qu'humains, voilà, c'est l'humanité qui est remise en cause par rapport à cela. Oui, effectivement. C'est inimaginable. Et puis, je crois que si... Moi, vous me permettez juste de prendre cette parole. C'est une manière de dénoncer, c'est une manière de dire qu'on ne peut pas rester indifférent. Le sportif l'a dit à travers son activité, le chanteur l'a chanté, le poète l'a écrit, les dessins aujourd'hui l'ont exprimé. Et puis, tu me permets aussi de revenir sur aussi notre expérience dans le Salon du Livre. Dans tout récemment, oui, voilà, effectivement, le SILA. Il y avait un atelier aussi de dessin. Vous savez, on n'avait pas mis de consignes. L'atelier de dessin, il est libre pour les enfants algériens. Il n'y avait pas une feuille qui n'a pas porté le drapeau de la Palestine. Il n'y avait pas une feuille qui n'avait pas signe de ce massacre et de cette douleur. Et puis ça nous a interpellés parce que nous, on a la parole et on a la force de le dire, mais on a oublié que nos enfants sont en train de regarder, nos enfants ils sont en train de voir ces images qui sont des images cruelles. C'est quelque chose que l'âme humaine ne peut pas accepter. Ça peut déchirer, ça peut nuire à nos enfants, ça peut... C'est pour ça que c'est très important pour qu'on puisse s'arrêter, pour donner du sens. Ça, c'est un combat, ça, c'est une lutte réelle, ça, c'est le résultat d'un massacre, d'un État sioniste. Il faut vraiment qu'on puisse donner ces paroles à nos enfants pour qu'on puisse mettre le lien. Ce que la quatrième génération et les générations de nos enfants n'ont pas vu à travers nos martyrs et puis le Moudjahidine de mon pays, je crois que la reviviscence de cet événement va nous permettre de nous placer dans notre histoire, dans Thawra de novembre, dans la guerre de libération algérienne, comment aussi nos enfants, à travers aussi les festivités, à travers ces moments clés et l'histoire de ces enfants, ont marqué notre histoire. Et c'est comme ça que la Palestine va marquer son
son histoire et on souhaite, Inch'Allah, que la liberté sera proche et l'ouverture de ce... Oui, et que les larmes des mamans palestiniennes soient estompées, celles surtout qui ont perdu leur progéniture de façon tragique pendant ces bombardements cruels, justement, qui ont coûté la vie à 5000 enfants. Le chiffre est effrayant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Aïda? C'est... 5000 enfants en l'espace d'un mois et quelques. Donc, c'est regardez, difficile. Regardez, dire un chiffre, je crois que les enfants ne se limitent pas à ça. Je crois que ça, c'est un génocide au vrai sens du mot. Aujourd'hui, il y a une machine comme ça de tuerie, de barbarie qui est en train d'effacer toute une histoire. Mais vous savez, en contrepartie, on a la voix de ces enfants, cette manière de lutter. Vous savez, on peut le voir dans la manière de se soutenir dans les images. Comment les gens, comment ces hommes, comment ces femmes, ils sont en train de se réconcilier. Shahid, c'est félicitez-le parce qu'il est shahid aujourd'hui. Cette manière de renforcer, je crois que c'est ce qu'il faut souligner dans le regard de ce peuple. Et puis, je crois qu'on a la chance aujourd'hui de vivre en Algérie et puis que nos décideurs aussi le disent haut et fort et le réclament et puissent le placer. Et puis, à travers aussi tout le parcours, toutes les émissions, ne serait-ce que par rapport aux médias, comment ils ont consacré des émissions spéciales pour inviter et les sociologues, et les médecins et les politiciens pour qu'ils puissent placer le vrai discours dans ce combat. Je crois que on est fiers aujourd'hui d'être algérien et de porter ce drapeau et puis de le revendiquer, avoir cette liberté de pouvoir le dire haut et fort. Et puis ça nous donne aussi la force d'exister et puis de protéger les peuples vulnérables et puis absolument, le peuple de dire et d'être témoin. De pouvoir exprimer sans être justement censuré par rapport à cette injustice, ce crime de guerre, ce génocide. Ouais. Voilà, on va utiliser les termes, notamment qu'on parle aujourd'hui, mesdames, messieurs, du 20 novembre, le 20 novembre qui est cette date qui correspond à cette convention internationale des droits de l'enfance. Et puis c'est vrai que Israël bafoue toutes les conventions actuellement, donc voilà, on en a cité quelques-unes. C'était le moment de parler aussi de cette énième convention bafouée par l'entité sioniste qui massacre des enfants en silence. C'est très paradoxal. Il y a les gens, le simple citoyen, les mamans, les papas, c'est quelque chose qui nous touche de près. Et puis j'ai envie juste de dire que ce n'est pas parce qu'on a des enfants qu'on puisse réclamer ses droits. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose dans la relation, même ceux qui travaillent dans la transmission de ces générations, dans l'histoire, dans le vécu, dans l'éducation, ceux qui sont dans la transmission du savoir, savent très bien. Il y a quelque chose, et c'est un traumatisme et c'est un drame. J'allais vous dire, il y a un traumatisme qui est vécu par toutes les mères du monde et toutes les personnes. Il va falloir un psychologue par être humain dans cette terre. Je crois que le processus thérapeutique ou le travail pour accompagner, c'est vrai qu'il va apaiser si les portes vont s'ouvrir. Sachant bien qu'on est vraiment en retard de l'accompagnement de ces gens en détresse. Mais les séquelles resteront à vie. C'est pour ça qu'il y a l'instauration de ces droits. Pourquoi on parle de ces droits? Pourquoi on les instaure? Pourquoi on forme tout ça? Pourquoi il y a autant de budget et puis de festivités? On revient à réclamer pas ça parce que les séquelles laissées par ces traumatismes ne se réparent pas dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut protéger un peu ces cocons, ces petits individus pour qu'ils puissent mûrir et puis grandir avec des épaules larges, avec une bonne pensée, avec une personnalité qui va les structurer dans leur identité. Sans ça, c'est une atteinte à toute une société, à toute une génération, et puis ça va marquer l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas que dans les peuples. Et puis vous savez, la richesse, quand on voit un tout petit peu comment les gens sont en train de manifester, de prendre cette parole et puis de dire haut et fort et de le réclamer, ça nous console, ça prouve à quel point la force mondiale, elle est derrière cette cause palestinienne. Et je crois que les Gazaouis aujourd'hui peuvent être fiers de ce qu'ils ont réalisé par leur combat, par leur lutte, par leur sabr. C'est quelque chose qui revient à contenir ses émotions, à faire face. Sabr est difficile à traduire, vous êtes d'accord avec moi, parce que c'est au-delà de la patience. C'est
une force, une autre force. Beaucoup de foi, beaucoup de... Oui, et je crois qu'on porte aussi ce timbre, parce que nous, Algériens aussi, on le porte dans notre voix, dans notre rigueur. Comme un Algérien, il est ferme, il est authentique, il est fort par rapport à ses positions. Ce sont ces épreuves de vie qui vont nous donner la force pour qu'on puisse vraiment se tenir, travailler tous ensemble, et puis travailler pour qu'on puisse avoir un demain meilleur, pour qu'on puisse vraiment enrichir et apporter le meilleur de nous-mêmes pour nos enfants et les enfants du monde entier. Merci infiniment, Aïda Machlis. C'est un plaisir de parler de cette thématique très importante. Merci à vous. Au vu justement des événements qu'on vient de citer, bien sûr, les droits de l'enfant n'ont jamais autant été bafoués que quand cette crise Razaoui. Donc merci infiniment. Merci à vous. Merci aussi à ceux qui sont avec nous depuis le début. Nous continuerons de parler d'enfance tout de suite, mais cette fois-ci avec un collectif d'enfants donc, qui est guidé par le professeur de musique Mouloud El Aïeb, qui prend goût à justement à celle qui adoucit les mœurs, la musique, donc qui elle aussi nourrit l'esprit. Donc c'est ce professeur qui essaye justement d'inculquer toutes ces belles valeurs à travers la musique, et c'est Samia Bouarour qui a été à sa rencontre, ainsi que nombre d'élèves présents dans cette petite école. Khalid interprète un Krissi Mouel et Krissi Sika sous l'œil bienveillant de son professeur de musique. Un moment de relaxation et d'évasion pour ce petit et ses camarades. Ça déstresse déjà et aussi j'aime bien, j'apprends de nouveaux trucs et j'apprends aussi la culture algérienne parce que quand même c'est important de savoir nos cultures de mon pays. Plusieurs études montrent les bienfaits de la musique et des arts pour les enfants. Au-delà de la relaxation, elle permet de vivre et partager des sentiments que nous ne pouvons pas exprimer par le langage. Elle crée aussi une base pour les apprentissages du vocabulaire et du langage, ainsi que les langues étrangères. C'est pour cette raison que Mouloud El Aïeb continue à transmettre ses acquis, sa richesse musicale et son savoir-faire avec beaucoup de passion et délicatesse. Donc mon message pour les parents, c'est de remplacer le portable, le téléphone portable ou l'ordinateur, tout ça, avec, avec cette discipline, cette thérapie. Donc c'est plus bénéfique pour l'enfant. T'allumt la flûte, chouïa piano, guitare ou oud. J'aime la flûte et le piano. J'ai commencé vers 9 ans, la flûte, ça fait depuis un an que je fais de la flûte. Et ça fait depuis... Et j'ai déjà appris 3 musiques qui sont un petit peu difficiles pour moi, mais je les ai quand même appris. Le fruit de son travail est là, avec la création de cette chorale qui fait honneur à l'école et au maître. Interpréter des musiques du patrimoine algérien. Je fais partie de cette chorale créée par mon prof de musique et je suis très joyeuse de participer dans cette chorale. Ce qui est bien, c'est comme on a beaucoup d'heures de cours, donc quand on a un cours de musique, ça nous permet de s'évader de cet environnement de scolarité et on se distrait un peu. On se change les idées. Comtara. متى نستريح؟ لدني شرب العشية. Des notes ou des inqilabettes que ces enfants maîtrisent parfaitement aujourd'hui. Une façon de préserver notre patrimoine andalou grâce à ces petites mains chargées de talent.
Voilà, donc on va continuer de parler de talent, mais cette fois-ci une figure emblématique de la littérature algérienne, d'expression française, il s'agit de Mohamed Dib. Donc mis en relief ce matin, mis sous les projecteurs ce matin, je dirais plutôt, avec Yazid Mahiddine, Yazid Ait Mahiddine. Bonjour Yazid. Bonjour Nadia. Ça va ? Ça va, ouais. Ça va. Très bien. Donc on a essayé de voir comment les poètes, comment les intellectuels, ils se sont engagés pour les nobles causes, pour les causes justes. Et effectivement, Mohamed Dib a été toujours un témoin de son siècle, était également un homme engagé. D'ailleurs, la trilogie Algérie, c'était l'illustration parfaite de son engagement pour la cause de l'Algérie indépendante. La lutte de tout un peuple. De la lutte de tout un peuple, on l'a vu même en film avec le Harir de Mustapha Badir. Et puis, toute sa poésie était aussi une ode à la liberté. Et même l'enfant jazz, par exemple, était un cri contre l'esclavagisme. L'enfant jazz qui a été construit sur des cantines d'enfants, et c'était un hymne à la liberté et à la lutte contre l'esclavagisme. Et pour la Palestine, j'ai trouvé l'aube Ismaël, ce texte fabuleux, ce voyage initiatique où fusionne exil, absence, éternité. Donc ce texte est fabuleux parce que c'est un vibrant hommage aux enfants de l'intifada. Un hommage où il y a des référents au mysticisme, il y a des référents au Coran, des référents à cet enracinement de la Palestine dans cette terre noble, dans cette terre de figuiers, d'oliviers. D'ailleurs, j'ai trouvé un texte qui a été lu par la comédienne Laurence Bourdil, qui n'est autre que la fille de Taous Amrouche, et c'est un texte fabuleux sur cet enfant, cette mère qui attend cet enfant, et vers la fin, elle appelle Dieu pour recevoir cet enfant dans son jardin. Donc c'est très très beau et c'est très fabuleux. Nous allons écouter ce passage de Laurence Bourdil qui lit le texte de Mohamed Dib. Avec plaisir. Feu sur l'ange de l'intifada. Fils, tu es allé simplement jouer avec d'autres garçons de ton âge. Mais à quel jeu dois-je crier ? Non, je ne crierai pas. Si mon cœur éclate, alors lui aura crié pour moi. Tu n'es sorti que de ce matin, fils. Il me semble qu'un siècle a passé. Quand reviendras-tu ? Mon Ismaël, mon roi de 10 ans, mon héros et ma douleur. Je reste à la porte et j'attends. Ton déjeuner t'attend aussi. N'oublie pas. Seigneur, l'abandonneras-tu quand il a encore toute sa vie à vivre ? Arrive, fils, arrive. De bon bouillon, j'ai trempé l'orge et placé la jatte de Sahleb auprès. L'attente est une chemise froide. L'attente est un pain amer. L'eau est tirée dont je te laverai les mains. Oui, je te laverai les mains en te chantant la chanson dorée. Reviens. De loin, si tu t'en venais, si tu marchais vers moi, de loin je reconnaîtrais ton pas. En vain j'use mes mots, ne m'entendent que le silence et les ombres. Le pire n'a jamais lieu, Seigneur, puisque tu es. Mais la vie est tissée de douleurs. Nous sommes privés de nous-mêmes. Fils, tu es allé simplement jouer avec d'autres garçons de ton âge. Mais va, je sais ce que tu fais. Tu te bats pour nous. Seigneur, l'abandonneras-tu ? Qu'as-tu à courir ainsi au-devant du danger, fils ? J'ai pensé au-devant de la mort, mais il ne faut pas. Je n'ai rien pensé. Nous vivions les jours de la terre. L'eau courait, sonore. Le soleil coiffait mon Ismaël. Mot d'amour, oh, tu étais notre mot de passe, et nos fièvres se résolvaient en fraîcheur. Je sais, fils, tu ne rentreras pas de sitôt. Seigneur, nous as-tu abandonnés ? Le pire n'a jamais lieu,
Seigneur, puisque tu es, mais la vie est tissée de douleurs. Mon fils n'aura d'autre laveuse que moi. Je redonnerai à son corps la blancheur des neiges. Ni sang, ni boue. Montre à la ronde, fils, montre au nord et à l'ouest combien tu es pur. L'eau longtemps encore étranglera ses sanglots dans les sérias. Puis il y aura des jeux. Mon fils dansera sur l'air et je battrai des mains pour lui. Et j'ajouterai ces mots. De bruyère seront ses mains, de soleil seront ses yeux. Profonde, sombre est l'attente qui me sépare de toi. Pas d'écho venu de la ville des chiens. Écoute, fils, pour toi chantent les terres rouges, l'aloès et le figuier. Le vent te le dira. Seigneur, reçois nos fils et nos filles dans ton jardin. Oui. C'est très, très fort, très poignant. Très poignant et c'est d'actualité. Oui. Ça exprime justement la douleur de toutes ces mères palestiniennes, de tous ces parents qui n'ont pu justement accéder à ce privilège cité dans ce poème de laver, de pouvoir laver, inhumer convenablement leur progéniture. C'est terrible. Mais c'est vrai que voilà, l'histoire se répète. Après l'intifada, les enfants de la Palestine subissent l'impensable maintenant. Oui, absolument, absolument. Ce qu'on a écouté, c'est très très fort, c'est poignant, ça rappelle cette Palestine éternelle qui est là et qui se renouvelle de lutte et de d'engagement, parce qu'on voit que cette mère qui parle à son fils et qui rappelle qu'elle... Le pire n'existe pas. Oui, qu'elle célèbre en fait la renaissance de ses fils qui vont vers l'éternel. Mmh. Et j'ai trouvé également sur les plateformes ces images impressionnantes de ce grand artiste Rawad Sata, tunisien, qui a immortalisé aussi cette douleur et cette peine de ses enfants, de ses familles. Oui. Palestinienne, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'a fait ce grand peintre tunisien. Et c'est aussi un... On a les images qui apparaissent, oui, c'est vrai. Oui, cette enfance. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de la Convention de la protection des enfants et la Palestine pleure ses enfants aussi. Mmh. Voilà. Effectivement. Voilà. C'est le cri de douleur de ses enfants. Oui, et puis il a illustré par Raza, par une femme justement qui commence des décombres et qui s'élève vers le ciel. Et c'est Rawad Sata, oui. Le grand artiste tunisien qui a immortalisé ce que vivent les Palestiniens actuellement. Raza actuellement, donc par cette femme qui émerge des décombres. Et oui. Voilà, on espère en tout cas que ces bombardements... On reste dans Mohamed Dib, puisque le 3 novembre dernier, il y a eu aussi un événement majeur, c'était à l'occasion du 20e anniversaire de son décès. Donc il y a eu à l'hôtel de ville, donc à la salle gothique à Bruxelles, un événement... grand événement pour rendre hommage à Mohamed Dib, organisé par l'Association des Amitiés Belgo-Algériennes, donc avec Rezala Chérifi, avec Charles Ban, qui est un spécialiste de Mohamed Dib, et le président du comité scientifique de la Société internationale des Amis de Dib, ainsi que Marc Goerber, qui est poète, et... Tengour et Catherine Dib, qui est la fille de Dib, qui est membre aussi de la Société internationale des Amis de Mohamed Dib. Donc, qui est fidèle à ce rendez-vous annuel, donc où elle regroupe justement des intellectuels chaque année. Qui a été aussi la fille de Dib, Laura, donc qui était aussi là, qui était présente à ce grand événement, où il y avait donc des débats sur l'œuvre protiforme de Mohamed Dib. Oui. Et là, il y a eu un hommage donc, aussi de Kamel Yahyaoui à Mohamed Dib, parce qu'il y a eu une lecture et puis un montage poétique avec des œuvres de Kamel Yahyaoui et un poème dédié à la mémoire de Mohamed Dib. Nous allons voir un peu ce poème. Montage. Oui, ce montage poétique.
comment donc il y a eu cette en fait Kamel Yahyaoui, rappelons qu'il est décédé donc en juin dernier, oui. Et là donc il dit parmi les lumières barbelées, il dénoue les chaînes de la flamme prisonnière. Mohamed Dib célèbre les noces du poème dans l'œil profond du cyclope. C'est une manière de rendre hommage à ce grand... Il voulait le faire de son vivant, mais malheureusement... Il a pris part l'année dernière et l'année d'avant à une très belle... Enfin, il avait justement adapté ses œuvres à la circonstance et rendu hommage par le biais justement d'une multitude de tableaux et d'œuvres et de sculptures, oui. Justement liées... Enfin, qui rendent hommage à ce grand homme. Oui, c'est un poème intitulé « Les hommes sont à la fois semblables et différents ». Donc, c'est un peu le thème de cette série de tableaux illustrés avec la musique poétique du texte de Kamel Yahyaoui, Allah yarhamou. Allah yarhamou, qui était lui-même donc non seulement plasticien, mais poète, grand poète. Oui, qu'on avait reçu dans l'émission Diasporama, avec Catherine Dib, où l'on a, c'est là où ces événements ont pris forme et ils commençaient à avoir des projets pour célébrer la mémoire de Mohamed Dib. Merci beaucoup Yazid pour ce témoignage concernant Mohamed Dib. Merci et désolé pour la voix, j'ai un petit... On est tous super en forme ce matin. Voilà. On fait la paire ce matin. Alors, on s'excuse auprès des téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Un toast, comme on dit, un petit... Voilà. Merci infiniment en Merci. Tout cas. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous ce matin et tous les matins où vous intervenez, notamment par rapport à la Palestine, de différentes manières, avec un regard porté sur la culture. Oui, on dit toujours « Free Palestine » et une pensée à tous les enfants palestiniens. Absolument. Et puis voilà, tout de suite, une chanson aussi qui illustre cette solidarité exprimée par toute l'équipe en faveur du peuple palestinien et ceux qui souffrent à Gaza essentiellement. C'est parti.
la Palestine libre et indépendante et gloire aux Shouhada palestiniens. Donc ce matin, nous terminerons cette émission par un point sécurité routière oblige à la fin de cette émission. C'est un rendez-vous récurrent, c'est un rendez-vous hebdomadaire qu'on renoue à chaque fois avec plaisir avec Hasna Zoberi qui est là. Bonjour. Bonjour Nadia. Ça va? Alhamdulillah, et toi? En forme? Alhamdulillah, ça peut aller. Alhamdulillah, difficile de dormir avec ce qui se passe, mais bon, on s'accroche et on va parler, donc ouvrir cette page pour parler un petit peu de la sécurité routière chez nous, dans votre rubrique Safety Road, qui s'intéresse à chaque fois à une thématique différente. On va peut-être situer la thématique pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui, ça va être, donc on va aborder le sujet, en fait c'est un sujet qui est très peu abordé, c'est la conduite des personnes âgées. Donc la conduite des seniors, on parle souvent de vitesse, on pointe souvent du doigt les automobilistes les plus jeunes, à savoir la tranche d'âge entre 18 ans et 35 ans. Aujourd'hui, on va un peu responsabiliser les personnes âgées, parce que en fait, les personnes âgées roulent moins vite et créent de la circulation, créent des embouteillages, des fois même incitent certains jeunes à les doubler, aller vers des manœuvres dangereuses aussi, ce qui provoque parfois des accidents de la circulation. Moi j'ai rencontré quelques personnes âgées lors de mon reportage que j'ai réalisé au niveau de la wilaya de Sidi Belaabbès, et on a vu des personnes vraiment très âgées. Des fois, parfois, en fait, on a rencontré une personne qui a plus de 75 ans et qui conduit toujours. Oui. Et on s'est intéressé, en fait, au côté ophtalmologique de la chose. Donc, avec l'âge, bien sûr, c'est la vue qui diminue. Et si on prend le volant, on doit vraiment être à cheval, côté contrôle ophtalmologique. Voilà. Très bien. On va voir peut-être ça en image avant bien de sûr. Continuer, justement. D'accord. De compléter l'ensemble des idées qui sont déjà développées à travers ce que vous avez réalisé vous-même. On va voir. Régulièrement pointés du doigt, les seniors ne sont pourtant déclarés responsables d'accidents que dans moins de 2% des cas en Algérie. Nous voyons en vieillissant nos facultés physiques et visuelles baisser, ce qui peut rendre notre conduite plus dangereuse. Lors d'un tournage dans la wilaya de Sidi Belaabbès, nous avons interrogé un représentant de la Sûreté nationale sur l'implication des seniors dans les accidents de la circulation. Les services de la sûreté de la wilaya de Sidi Belaabbès ont enregistré depuis le début de l'année en cours 221 accidents de la route qui ont mené au décès de 11 personnes et blessé 251 autres. Et c'est le facteur humain qui demeure la principale cause de cette hécatombe routière. Selon les statistiques des 8 premiers mois de l'année en cours, nous avons constaté que les personnes de plus de 60 ans ont été impliquées dans 16 accidents de la route, d'un total de 179 accidents, soit un taux de 0,12%. À cet effet, la sûreté de la wilaya de Sidi Belaabbès continue son programme de sensibilisation au profit des usagers de la route pour faire respecter le code de la route. Avec l'âge, de nombreuses personnes âgées reconnaissent ne pas être totalement à l'aise dans certains cas au volant d'une voiture, comme la conduite de nuit par exemple, les dépassements, voire les démarrages en côte. Cependant, conduire leur permet de conserver une vie sociale. Cela leur permet aussi de garder une certaine indépendance. Nous avons visité un service de biométrie pour connaître les procédures de l'obtention du permis de conduire pour seniors. فيما يخص الخاصيه
Concernant l'octroi des documents biométriques aux personnes âgées, ces derniers se présentent normalement au service munis de leur dossier, notamment le certificat de bonne santé, car c'est le document primordial pour cette catégorie de conducteurs. Les personnes âgées, qui ont deux, les ont la catégorie B, qui ont plus de 60 ans, qui ont 5 ans. Les catégories lourdes, C1 ou C2, elles ont un ami. Dans certains pays, les personnes de plus de 75 ans sont autant impliquées dans les accidents que celles de 18 et 24 ans. La cause, leur non-aptitude visuelle. Pour en savoir davantage sur la question, nous nous sommes rendus au service ophtalmologie du CHU de Sidi Blaabbès. Pour les personnes âgées, plus de 60 ans, bien sûr, comme on connaît tous, il y a des maladies de vieillissement de l'œil qui apparaissent avec l'âge. S'il existe des déficiences visuelles, ou l'acuité visuelle binoculaire, c'est-à-dire l'ensemble entre l'acuité visuelle des deux yeux, est inférieure à 15 sur 20, le permis de conduire ne peut pas être délivré aux patients. J'insiste sur le port de lunettes pour les gens qui ont un vice de réfraction. Dans un des ronds-points de Sidi Blaabbès, des agents de police ont organisé une campagne de sensibilisation au profit des seniors. هذه مبادرة اللي درتها ماغي تشجعونا على كل حال باش نكونوا حذرين. انا قريت 80. اللهم بارك. تبارك الله. على صحتك راك دير كونترول؟ ندير كونترول هاو. وراك تقدر تصور؟ واه لا حسرة احنا كي توصل 70 سنة كونترول يروحوا كيا. عارف راك تسير ورانا ما راناش نغامر ورانا كي تكون المسافة طويلة رانا نعطيو لولادنا. سن تآثر وعاد تكون تمشى حتى تجي رقاد. ايوا. لا ما نغامروش. الصحة ما تعرفش فيها خطرك غادي تضحي روحك وتضحي الناس ولادك وتضحي الناس اللي تتلاقى بعيد علينا اللي تتلاقى معاهم. واه بنتي جي 75 ans d'accord je suis en retraite depuis 22 ans la vision alhamdoulillah. Mais je ne fais pas les grands déplacements, j'ai mes enfants qui sont au niveau de la vue, c'est pas un problème. من 63 ديزا مصر ما عنديش بروسي سكت الكارت سكت الماشي والحمد لله كنت ندير قسنطينه ندور دروكا هاني غير ما نسبت على الفاميليا نخرج بصح ماشي بعيد بن حليفيه بوحجر هذو صوكا قوه دروك ما شكوت قوه سي با فو. Voilà, donc voilà, ils sont quand même téméraires, hein, nos papis. Hein. Exactement. Ben, on s'est vraiment amusé à faire ce reportage parce que, en fait, ils nous ont donné des conseils. Ils ont un peu conseillé à travers leur expérience, donc des années de conduite, voire parfois qui dépassent les 40 ans de conduite. Et avec zéro accident. Avec zéro accident, comme le monsieur qui vient de qu'on a interviewé. Et c'est vraiment un chapeau, hein. Franchement, quand on voit des personnes comme ça, avec la tête sur les épaules, qui conduit toujours à l'âge de 80 ans, bravo, oui, franchement. Oui, franchement, c'est bien. Même bon, si on leur souhaite une bonne santé. Et puis voilà. Oui. Moi, j'ai axé un peu à la DIA, le reportage sur la vision. Ce qui est très important pour les personnes âgées. Donc, à partir d'un certain âge, il faut toujours un contrôle régulier. Il faut être à cheval sur ce point. Parce qu'après, la bonne santé, bien sûr, ça compte, mais aussi la vision, c'est très important. Après, aussi, on a parlé aussi du réflexe.
Le réflexe pendant la conduite, on sait très bien avec l'âge. Oui, donc, ça baisse. Il y a une baisse du, C'est ça. Donc, la conduite, les réflexes ne sont plus les mêmes, effectivement. Les réflexes ne sont plus les mêmes. Si on voit une personne qui nous vient des fois à droite, ou là, il double à droite, un dépassement dangereux, comme on a parlé la semaine passée, donc les dépassements à droite, il ne va pas réagir comme un jeune ou là, une personne de 20 ans ou de 30 ans. Oui, parce qu'il y a une lenteur qui s'installe avec exactement, l'âge. Effectivement, exactement. On est il peut faire un coup de volant, ce qui peut provoquer un accident de la circulation. Voilà. Donc, les personnes âgées, il faut savoir qu'ils ne sont pas impliqués dans beaucoup d'accidents de la circulation, vu qu'ils ont quand même assez... Ils sont assez prudents quand même. Ils sont très prudents. Mais justement, prudents. Qu'est-ce qui vous a conduit à en parler? Est-ce que c'est un jeune conducteur ou un senior qui vous a... proposer peut-être une idée ou suggérer. Alors, je ne vais pas vous mentir. Non, allez-y. Alors, c'est mon papa. D'accord. Donc, c'est un senior. C'est un senior qui s'approche de ses 70 ans. Donc, on salue ce matin. Oui, je le salue. Ah, il est rentré avant-hier de la Mecque. Donc, voilà, il est un peu fatigué. Oui, oui. Allah ybarak. Allah ybarak. Hajja maqboula. Voilà, ton amra maqboula, inshallah. Inshallah, ya Rabbi. Donc, il devient très nerveux. Quand il conduit, ses réflexes ne sont plus les mêmes. Moi, j'ai vu mon père conduire quand il avait 40 ans, 50 ans, mais à présent, ce n'est plus la même personne, c'est plus le même conducteur. Donc, on devient nerveux, on le provoque, il réagit. Les réflexes ne sont plus les mêmes, même si c'est un très bon conducteur, mais avec les chauffeurs qui sévissent sur nos autoroutes actuellement, il y a de quoi être perturbé. C'est ça. Et puis la vision aussi, on ne cesse de lui dire, faut pas conduire, faut pas prendre le volant la nuit, mais il continue à le prendre. Donc ce qui m'a poussé à faire ce reportage. Donc l'idéal, c'est qu'il conduit surtout de jour, parce que c'est vrai que la nuit, il y a toutes ces réflexions, lumières qui perturbent notre vision. Surtout déjà. Si une personne porte les lunettes, donc ça va un peu le gêner pendant la conduite. On est encore jeune et des fois, on est perturbé la nuit quand on conduit. Surtout si on n'est pas habitué à prendre le volant la nuit. Voilà, absolument, des fois. Et puis, il y a certains conducteurs qui ne respectent pas un petit peu le code de la route et qui allument leur phare en pleine route, pas loin, dans des zones limitrophes d'Alger. On a vu ça très souvent. Donc, moi, je ne comprends pas et je ne cautionne pas, en tout cas. C'est normal. On voit ça même la nuit et sur l'autoroute Est-Ouest. Moi, j'ai pris la nuit, j'ai pris le volant pendant l'autoroute Est-Ouest, côté Est ou Ouest, en mission ou en déplacement personnel, familial, et on voit de toutes les couleurs, on voit même les semi-remorques allumer leur feu au maximum. C'est vrai que la luminosité, elle est... Et doublé en troisième position. Il faudra consacrer une émission à ces poids lourds Inch'Allah. Qui, eux aussi, causent pas mal d'accidents en se mettant sur la troisième voie qui leur est interdite en principe. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on s'est intéressé de près aux seniors, à ces papis, ces mamies qui conduisent à un âge très avancé et qui peut-être devraient être encore plus vigilant par rapport à certaines recommandations. Exactement. Très bien. On rappelle les meilleures recommandations avant la fin? Bien sûr. Donc, pour terminer cette rubrique Safety Road de ce lundi, il faut rouler vraiment, respecter le code de la route. Rouler quand on ne peut pas, il faut rouler soit au milieu ou prendre la droite. Faire très attention aux personnes qui nous dépassent par la droite. Faut pas rouler vite, respecter les plaques de signalisation, les feux tricolores, les piétons, et s'assurer de la qualité de sa vue annuellement. Merci infiniment. C'est moi. Hasna Zoubiri, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous servir aussi le matin, mesdames, messieurs. Merci, j'espère que vous avez apprécié l'ensemble de ces thématiques. Et c'est le moment de se dire au revoir. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec la suite des programmes de Canal Algérie. Pourquoi pas? Allez, à très bientôt. Au revoir. We shall overcome. We shall overcome. We shall.